This week in Captain Bouge's Adventures. Salut les gars. Salut Bouge. Hey. Salut Bouge. Bon matin, on s'est salut les gars, ça va? On profite un peu du beau temps. Sûrement tu vas. Et je sais pas trop par où on va descendre. Est-ce que t'as une idée, toi, Bouge? Parce que moi là, j'étais bien parti pour aller du côté de Maria Matre qui est là-bas. On va voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comme disait l'autre tête de bite là, je sais pas trop pour où on va passer là. Là, on est à la colline, tu vois. On a le choix entre descendre par soit Maria Matre, comme il a dit, le con. Soit par le petit single là-bas que j'ai fait la dernière fois. Je l'ai fait deux fois récemment là. Chaque fois, c'était trompé. J'aimerais bien essayer sans. Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Je pense à rien, Lucien. Bon, allez, on va prendre le vélo, on va aller. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'adore rouler dans la brume. C'est un mystérieux petit côté gorille dans la brume. Donc voilà. Donc c'est décidé, ce sera Maria Matre. Ce matin, je roule avec deux shorties. J'essaye le shorty derrière. Là, ça va pas être trop boueux. Ainsi un petit peu quand même. Et puis surtout, j'ai une dorsale. Ouais, la dorsale atlantique, une dorsale qui protège le dos. Putain, j'ai horreur de ce passage. Il y a le vide à côté. Posez le pied. Ouais. Il y a le trou juste là. Avec ces gros gars d'un glissant là. Ça fout un peu les miquettes. Surtout là. Aïe. Voilà le passage que j'aime pas. Donc là, si tu mets la roue en dehors du trou, du chemin, c'est la mort. Pas tout à fait, mais tu fais une belle frayeur quand même. Hein. Putain, chasse en cours. Tu vas me dire de pas le faire, mais. Ah, il doit passer celui-là. Celui-là est plus compliqué. Bon vivant du 74, ça, il aime bien ce genre de truc. Alors, on va les regarder avant de s'engager comme un gland là. Non, honnêtement, c'est pas un sentier. Il est pas à mon niveau celui-là. Il est bien trop dur quoi. Bonjour. Une dame qui méditait. Thank you.
putain. Shorty, il est pas excellent sur les pierres, j'ai l'impression. Ça passe. Alors, un spy. Mais ça passe. Là, ça passait par là. Mariama, j'aime bien, mais j'arrive pas à rouler vite dedans. Les arbres près comme ça, comme celui-là, là, par exemple, ça me bloque. Putain! Tentative V2. Ouais, et ben Zob. Là si je l'aime pas. J'étais crispé là, tout crispé. Debout sur les freins, les épaules bloquées. Ça c'est du passage de papy, hein. Ah, vache. C'est devenu pour de la vitesse, c'est quand même pas aujourd'hui qu'il va y en avoir. Allez, on est dans la brume. Prends ton virage à la fin. Caillou mou! Putain de sa mère! Eh ben Zob, j'y arrive pas, hein! Là j'y arrive! Là j'arrive. Là il y a des arbres, il faut se gaffer pour pas se chier dessus. Bon dis donc, elle fait 790, je sais pas. Eh putain, là ça m'handicap là. Peut-être moi que je suis un handicapé hein, du grand guidon et du vélo, du passage fin, mais. C'est un bec. Bon, la morale de cette histoire, c'est que la dorsale, ça tient chaud quand même. Je me suis inscrit au Trophée des Alpes de Champs-Rousses avec la... un master sur le glacier, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que le sac, ça va me gêner, je pense. Donc les pantoufles sont confort, elles tiennent chaud. Ça marche pas mal.